Shalom peuple de Dieu, je suis le frère Issamba Saoudi, l'homme de l'église Sacrée Chapelle de Dieu. Alors je suis très heureux de me présenter au devant de vous parce que je viens avec un message très important et urgent du prophète Adam Aston Bayer. Sur une vision pendant une prière, le prophète a vu quelque chose d'assez fascinant. Dieu lui a montré que lorsque nous prions, à chaque fois que nous prions, lorsque nous demandons la délivrance pour nous débarbouiller de tous ces esprits mauvais qui sont dans les corps, qui entrent dans nos finances, dans tout ce que nous avons, Dieu descend le feu et ses démons sortent. Mais le prophète a vu que ces démons, lorsqu'ils sortent, ils ne vont pas loin, ils se cachent dans nos vêtements que nous avons l'habitude de porter. D'où Dieu lui a soufflé, il lui a dit, un service de délivrance très important doit se passer ce dimanche. Alors ce dimanche, il y aura un service de délivrance qui va consister à délivrer tous nos vêtements. Alors, pour ceux qui seront en présentiel, nous vous prions de vous présenter à l'église Sacrée Chapelle de Dieu qui est située dans la commune de Matete, numéro 42 dans le quartier Kinzaz. Alors, pour ceux qui seront en ligne, parce que nous allons passer en ligne sur notre chaîne Adam Ministry TV, qui à partir de 8h, nous serons déjà en direct pour ce service très important. Alors, il vous est recommandé, vous qui serez en direct, de préparer un échantillon de vos habits qui sera en représentation de tous vos vêtements. Alors, à partir de cela, il y aura une onction spéciale qui va être déversée de la part de l'homme de Dieu. Il y aura une des prières intenses qui vont permettre à ce que nos vêtements et en ricochet, nous-mêmes, soyons délivrés de tous ces démons, de tous ces esprits malsains qui tourmentent nos vies. Alors, je vous invite tous, je répète, nous serons en ligne sur Adam Ministry TV et dans la commune de Matete, nous serons dans le quartier Kinzazi 4D, le siège central de l'église Sacrée Chapelle de Dieu. Alors, je vous y convie encore une fois et que Dieu vous bénisse énormément et qu'il soit favorable dans toutes vos entreprises. Merci.